La R1200 GS Adventure impressionne. Ce monstre plus large que la GS opte pour des suspensions à plus grand débattement, un réservoir de 30 litres et des protections moteurs et flancs latéraux. Impossible de ne pas se faire remarquer avec un tel gabarit. L'éclairage diurne optionnel, les longues portées à LED et ce coloris bleu militaire font sensation. Si elle était énorme à voir, la R1200 GS peut compter sur son nouveau moteur boxer de 1170 cm3 à refroidissement RO. La sonorité moteur reste très présente avec son poum poum caractéristique. La transmission finale par arbre bénéficie d'un confort d'utilisation certain. Puissant même une fois passé à 78 chevaux pour la France, il requiert un bon coup de poignet pour se livrer complètement. Le couple maximal de 125 Nm se découvre à 6500 tours minute, soit à mi-compte tour. L'occasion de profiter de superbes relances et de passer la 5e et 6e, très routière. Le bouton mode au guidon droit permet de choisir le comportement moteur. Au mode Rain et Road de série s'ajoutent les options dynamique et enduro, avec un switch activant le mode Enduro Pro. Au guidon gauche et toujours en option, la suspension pilotée ESA vous permettra de régler la souplesse et le confort suivant le nombre de personnes et bagages à bord. Régulateur de vitesse, contrôle de la pression des pneus et poignées chauffantes sont également disponibles en option. Le tout s'affiche sur l'ordinateur de bord digital. La vitesse et le contour disposent d'un superbe cardan à aiguille, moins rapide à lire, mais précis. La position de conduite est confortable. Les repose-pieds enduro sont larges et offrent un grip impressionnant. Seul le guidon très large pourra gêner les petits bras. Pour mettre à l'aise et poser pied à terre plus facilement, on peut même opter pour une selle plus basse de 50 mm qui reste réglable sur deux positions. La bulle est toujours réglable manuellement en hauteur. Des valises sont disponibles pour les baroudeurs, mais toujours en option. Quelques points différencient la version Adventure de la GS, comme les superbes jambes tubeless à rayons croisés et le petit emplacement sur l'avant du réservoir pouvant contenir une carte de crédit ou un ticket de péage, mais pas plus. Enfin, un amortisseur de direction apparaît, histoire de rassurer si jamais l'antipatinage et l'anticabrage ne suffisaient pas. L'ABS de série bénéficie d'un couplage avant-arrière au levier de frein droit, réglable en écartement, tout comme le levier d'embrayage. À l'avant, les deux disques de 300 mm pincés par 4 pistons offrent précision et puissance. L'arrière se montre idéal avec son simple disque de 276 mm serré par un étrier de pistons. Toujours aussi brillante, la suspension télévert à l'avant et parallévert à l'arrière font office d'anti-plongée, permettant de ne pas relever la moto dans les virages et de freiner à plat. Vive et agile, la GS Adventure surprend par son entrain permanent. De quoi se faire largement plaisir et découvrir un caractère très virulent, prompt à faire bondir ce maxi-trail talentueux. La R1200 GS Adventure pousse toujours plus loin le concept de moto urbaine à look enduro. Ouais.